on n'est pas dans des limbes. Les situations dramatiques sont toujours dans des situations qui sont très concrètes. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, au contraire, qu'on est toujours dans le réalisme. Au contraire, les personnages peuvent se retrouver dans des situations où elles se laissent aller à une certaine fantaisie, parfois un peu douce amère, mais en tout cas, où sort un humour particulier qui permet d'exploiter les thèmes. Une chose qui nous, en tout cas François-Étienne et moi, nous fait beaucoup rire, hein, c'est dans une pièce qui s'appelle « Les 7 jours » de Simon Labrosse. Ça part d'un constat difficile. Simon Labrosse est un acteur au chômage. Et c'est quelqu'un qui, pour s'inventer une vie, s'invente des emplois, s'invente des spécialités. Mais des situations comme ça, la dernière pièce de Carole s'appelle « Small Talk » et on suit le personnage de Justine qui se trouve complètement inapte dans la vie à papoter. À jaser. Vous savez, c'est cette espèce d'interaction minimale entre les humains. Et là, on s'est dit, pourquoi pas tenter une exploration nous-mêmes autour du small talk? D'accord? Tiens, une coach en conversation, c'est du papotage, du small talk, OK? Et tu as l'apprenante et le chouchou du prof qui trouve l'apprenante vraiment pas bonne. Donc, c'est super simple, hein? Vraiment, ce qu'on essaie d'explorer ensemble, là, c'est vraiment... On essaie toujours de rester en surface. Toujours, toujours, on flotte, on flotte, on flotte. On flotte. On se laisse aller, on flotte. Delta plane. Pensez delta plane. OK? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. On va faire des petites séances, des petites rencontres. OK. Mm-hmm. Allons-y. OK? Alors là, vraiment, vous vous rencontrez, vous êtes comme autour d'un café, et puis là, on reste surface. Surface, surface, surface. OK? On commence, peut-être quelques échanges. Jamais de questions. On essaie d'éviter les questions. Salut. Très bien, très bien. C'est fou ce qui se passe dans les nouvelles, hein? Fin renard. Moi, je dirais pas que c'est fou. Je dirais plutôt que c'est très inquiétant avec la montée de la droite. Non, ma belle, pas d'opinion, jamais d'opinion. J'ai décidé de démissionner. Comment ça, démissionner? Je démissionne. Tu démissionnes? D'ici 2 semaines de préavis, je serai partie. Tu me laisses tout seul, les deux. C'est sûr que c'est pas par rapport à toi. Enfin, je pense pas que c'est par rapport à toi. Enfin, je le saurais, je pense, si c'était par rapport à toi, parce que ça serait un divorce. Mais c'est pas un divorce, ça n'a rien à voir avec le divorce. Tu es complètement incompétent comme mari. C'est moi qui suis plus compétente pour le poste. Ma belle Élodie, ta maman démissionne. Dans l'optique où j'ai démissionné de toute ma vie, bien sûr, l'emploi occupe une grande partie. Et je dois avouer que je m'en fiche un peu de ce que je vais faire comme travail. C'est plus la nouvelle moi que je voudrais que vous m'aidiez à trouver. Avez-vous déjà pensé à l'architecte? Mmh. Architecte pour les personnes, architecte personnel. Mmh. Vous suivez les personnes et vous construisez autour d'eux. Oui, vous dessinez la façade, ouais. Vous dessinez l'intérieur. Construisez un peu le passage qu'ils vont prendre de leur vie à leur mort. Mmh. Hé, ma petite chouette! Je suis plus ta petite chouette. Tu vas toujours être ma petite chouette. Non, non, non. Je suis devenue une hirondelle. Laisse-la penser ce qu'elle veut, là. Elle va revenir. Elle est juste partie pour un petit bout, mais elle va revenir. Hein? Pour partir à l'étranger, il me faudrait un passeport, puis j'ai pas encore de nouveau passeport. Il est hors de question que j'utilise le passeport de mon ancienne vie. Je suis venue porter mon CV. Mmh. Vous êtes tout désigné pour l'emploi. Vous m'avez tellement manqué. Bon. Quand on peut s'attendre à avoir des nouvelles? Don't call us, we'll call you. Oh, mes amours.